Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 26 de Baldur's Gate en compagnie des trois personnages, dont un qui arrête pas d'ouvrir des portes, faire sauter des pièges, péter des tonneaux, passer des lignes invisibles. Bonjour. Salut. Bonsoir. Bonjour. Donc elle est où la dernière porte? Bah là où je tu peux, il y a une porte là. Une porte? Où ça? Je me suis pas approché exprès du coup hein. Tu veux dire la porte par là où on est rentré? Bah, là où il y a déjà des barres de sang derrière. Je crois pas que ce soit la porte par où on est entré. Eh bah, on peut tester. Y'a plus rien hein. Bah tiens. Eh, vous remarquez que j'étais pas ouvert. Hein, déjà, j'ai fait un effort. Ah si, c'est par où on est rentré. Ouais, c'est ici où il y a Katox qui a retourné comme des gants les cadavres Guichanqui pour en faire des petits copains. Ouais, c'est vrai. C'est. Vous retournez. C'est spectacle de mythe. C'est littéralement, ils retournent sur leurs traces. Allez, let's go, bah, on va chercher la masse de feu. La masse paf. Ouais. Mais y'avait pas un truc à déposer sur l'hôtel ou tu l'avais pas déjà fait? Ah, c'est bon, je l'ai fait. Je l'ai fait en début de. Ouais, je suis allé galoper. Bah, c'était là où tu m'observais. Non, c'était pas par là. Oui, j'ai pas pu observer la fin parce que du coup Arda était rentré en conversation, on peut pas annuler la conversation. Enfin, si, mais non, il y avait un jet de dés. Enfin, bref, je me comprends mal. L'hôtel, il est dans le monastère d'avant? Bah, viens un dé. Je vous emmène et après je vous laisse faire comme des grands. Sachant qu'on n'a pas tout visité dans la pièce où on se trouve là, j'ai l'impression qu'il reste des coffres ici. Où c'est? Katox, il se meut et il a un marqueur de quête sur lui. Mais c'est parce que c'est moi qui ai l'œuf Gitianki. Ah, mais il est vide. Déjà... Bah évidemment. Mais on est reparti vers l'endroit où... On est là où on a vu la reine Gistianki. La grande dalade avec plein de statues. Ah oui, et d'ailleurs, on n'est pas... on rentre ou pas dans le prisme? Mais attends, mais le truc de la masse, c'est pas dans le monastère d'avant? Ah si, mais il a déjà fait. Bien. Ah, ok. Moi je pensais qu'il fallait comprendre dans le monastère. Ce que je disais, la masse cérémoniale était dans la salle avec les kobolds. Et vu que vous aviez très mal looté la pièce, et ben, elle était encore par terre. Oui, donc, t'étais avec nous quand on l'a looté, donc tu peux bien la fermer. Oui, bah ça va, je me suis pas rappelé de où était placé toutes les armes. Je me suis paumé, quoi. Mais comment t'as fait? Bah écoute, j'ai un sens. Alors là, c'est tout droit, gauche. Non, mais je vais faire l'arnaque. C'est marqué escalier dérobé. Le truc, tu peux y passer à 80 en même temps. C'est un escalier dérobé. Tu te fous de ma gueule. Ce sera sur ta gauche. Non, mais j'ai cliqué sur là où vous êtes et mon perso il bouge maintenant. Voilà, sur... me poser de question. Moi, j'aimais bien faire le GPS, ça c'était marrant. Tournez à gauche. Ouais. Là, faites demi-tour. Faites demi-tour. Faites demi-tour, sérieux. Non, refaites demi-tour. Sérieux. Faut pas penser, recherche de la position en cours. Vous êtes arrivé dans un lac. Vous êtes arrivé. C'est un lac. Ah oui. Ah oui, d'accord, et c'est là où on va voir les statues, on va dans la pièce d'après, c'est ça? C'est ça. Ouais. Mais on n'a pas cliqué sur le prisme au milieu de la pièce. Eh oui, mais on le fera après. En revenant. Voilà. Et je prends l'escalier dérobé. Ciao, ciao, ciao. J'ai hâte qu'on passe level 8, comme ça j'aurai enfin les manœuvres de fighter. Ah ouais, comment on est au parlou. Allez, bah attends, je vous laisse chercher, moi je vais cure le nez. L'autre, comment il aide pas? Bah non, moi j'ai déjà utilisé mon source d'énergie. Moi, j'ai trouvé un truc sur lequel on peut tirer, il y a marqué source d'énergie. Oh, il y a des pièges. Ouais, ça se désarme. Voilà, fallait faire 14, j'ai fait 26. Ça se désarme. Si la lumière de la tendre est infinie, sa clémence a des limites, partez maintenant. Il où le... Ah, c'est tellement plus pratique avec la caméra des. Ouais, il y a la source d'énergie qui est planquée genre à perpète, mais elle est où? Ouais, comment on fait pour aller la taper? Elle est si loin. Eh, mais attends, tu peux faire le tour. Non, je sais. Hop. Putain, ils ont mis une porte. Ils sont vraiment pas doués, ces gens. Ah, c'est surtout tueur. On va mettre un piège infranchissable. Tu sais, en fait, t'as un passage juste à côté. Et genre t'as un passage, c'est pas un passage, c'est pas une petite faille sur laquelle tu dois un peu jouer quoi, c'est genre... T'as... Oui, non, encore un piège.
Alors, c'était des prêtres, hein, c'était pas des architectes, hein, les mecs qui ont fait le. Architectes, ils font quand même des parties en. Les arches, je ne suis pas sûr qu'architecturalement ça fonctionne en fait. C'est une arche plate, ça veut dire que la clé de voûte est plate, ça veut dire qu'elle prend tout l'effort du dessus. Je suis pas convaincu que ça fonctionne. Je sais pas. Surtout suspendu qu'un bras zéro genre en métal qui doit peser au moins 80 kg là. Rien qu'avec ça, ton arche elle est décelée. Effectivement, ça peut poser problème. Mais encore 80 kg, je pense que c'est gentil. Oh, avance pas trop vite. En plus, moi j'ai plus de sorts, hein. Je vous préviens tout de suite. C'est pas grave, t'inquiète. Attends, voilà. Après, moi, si vous voulez, ouais, j'ai le meilleur des sorts, j'appelle ça le F5. Est-ce que vous voulez qu'on l'essaye à la version non recommandée? Non. Ah, alors moi, je. Qui c'est qui parle? C'est ton amulette. Ah, oh, mais moi, meilleur pas. 14, j'ai beaucoup de vie. Hein. Bon, je parle au soin de l'attendre. Allez. T'as plus beaucoup de vie. Pas grave, au pire je meurs. Waouh, elle est belle. En vrai, essayez, on le fait en. Faites-le sans l'objet. Mais. Hein, j'ai plus de sort. Ah, bah oui, mais on a sauvegardé. Juste pour que vous compreniez pourquoi. En plus, elle est trop classe la masse. La petite Morningstar. Encore un truc pour toi, ça. Mais non, c'est pas pour moi, c'est pour Katox ça. Et je suis censé faire quoi? Prendre vas-y, la masse? Vas-y, prends la masse. Les masses, paf. Rappelez-vous, dans l'épisode précédent. Vas-y, bah, prends la masse. Vas-y, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Il ne peut rien se passer mal. Allez, let's go! C'est parti! Tire plus fort. Allez! Allez! Il en peut plus! Comment il en peut plus, ça fume! Oula! Oula! Allez, au moins, vous allez découvrir à quoi servait un objet dans l'épisode précédent. T'as, il va te faire griller un petit feu, quoi. T'inquiète, on peut 13 ans. Ah oh! Ah, c'est pas le canon du cul là? Ah, ouais, c'est ça. Hein. Bonjour! En plus, elle est stylée, elle est sympathique. T'as vraiment tiré à travers les 15 étages pour finir sur ta gueule là? Ça me fait. All within these walls are doomed to destruction unless you act. Unless you act. Allez! Au revoir! Ah, ah d'accord. Comment ça on a eu un succès? Bah moi je viens de faire un succès là. Pareil. Voler. Mais du coup on n'aura pas activé l'objet juste avant. Ok. Ah bon, on aurait pu s'échapper par là peut-être. Allez hein, ciao. Ah moi je suis parti dans l'autre sens pour pas. Adieu. Chacun son truc. Ouais, moi, comment ça se passe? Ouais, tu me dis. Tu t'es payé? Non, moi je suis sorti, hein. Ah, d'accord. Je sais pas ce que vous faites. Et moi je suis en haut. Oh, les piafs ils sont repop! Ça pue. Ah ouais? Bah écoute, ils sont là avec moi. Attends, pourquoi tu voles, Katox? Par chemin de vol. Bon voilà. Mettez un couvercle, hein, les gars. Je peux pas, je suis trop loin. Mais non, mais t'as 4 tours donc c'est pas grave, fin de tour. Voilà. Ah, on pouvait désarmer le. Attends, il y a écrit. Bah, si, je suis sûr que si tu pètes, si t'éclates les machines solaires de la tendre. Ah ouais, ma bête. Ma bête. Tour de l'environnement. Alors, moi je suis parti dans l'autre sens. C'est lui qui va crever, il voulait me faire crever, c'est lui qui va mourir, t'sais. Ça me pue vrai, d'après si c'était le seul à crever, quoi. Machine solaire de l'attente, 30 PV. Hop là. Paf. Hop, moi je me casse. Salut, ciao les bolos. Est-ce qu'on avait fini la zone? Non, bah faudra juste revenir pour le prisme. Ah mais moi je peux pas lui faire de dommages à la machine là-haut. Hein. Ah bon? Alors, ah, étant donné... ça fait 0, hein. Oui, non mais de toute façon c'était pas celle-là qu'il fallait taper, hein. Ah bon.
coup, est-ce qu'on retourne à l'intérieur pour essayer de défoncer les 4 trucs ou pas? Il y a 4 trucs. Bah non, c'est bon. Il y a 4 piliers pour désarmer l'arbre. Ah oui! Non, c'est bon, c'est pas grave, regarde, on est tous sortis. Mais non, il restait pas un coin qu'on avait pas fait en bas? Vas-y, bah on pourra toujours y revenir, il y avait un TP. On quitte le mode tour par tour, normalement t'auras le temps de te barrer. Ouais, je pense aussi, ouais. Cours! C'est bon, je suis plus. Je sais pas si on va voir le rayon se mettre en route de là où on est. Littéralement à côté, hein. Au premier loge, sinon on sort les popcorn. Ouais, ouais, si. Bon, effectivement, ça aurait pu mal se mettre. Ah, je crois que j'ai pas aimé. Oh, bah, je crois que je suis mort. Ouais, je crois. Est-ce que je me suis trouvé? Est-ce que je me suis trouvé? Ah non. Ah, faut vraiment quitter le bâtiment, quoi. Genre, cassez-vous. Bon, après, on a l'objet, donc je l'avais pas eu ce game over par contre. Là, je pensais pas que c'était aussi puissant. Hein. Non, mais c'est bien, on est à un game over par épisode pour l'instant. C'est pas mal. Par contre, c'est, je cite, c'est des prêtres, hein, c'est pas des architectes. Non. Ah, par c'est contre, pas des architectes, ce sont par contre des ingénieurs de guerre. Des putains de génocidaires, quoi. Ouais, c'est vrai que l'Héliopolis, revisité pas mal. Bon, du coup, on ferait pas le truc de Gutianki avant? Non, 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 mais attendez, moi j'arrive, j'ai le petit objet, on va la récupérer, je rentre tranquille ou pile. Hop là. Oui, elle rigole, mon amulette là. Ouf. Ah, j'ai eu. Ah, voilà, c'est bon. Je suis bloqué dans un dialogue privé qui n'a pas lieu d'être. Mais non, mais j'ai pas mis de dialogue privé, je comprends pas que pourquoi. C'est quelque chose me dit qu'il y a un moine qui a été. Il y a un moine qui a été cliqué sur le truc alors qu'on le récupérait. Non, c'est moi. Ah, hop, je prends la masse, gentiment. Je suis sûr qu'il ait encore été cliqué sur un truc qu'il fallait pas. Je suis sûr que c'est de sa faute. Alors, j'ai la masse et tout se passe bien. Ah, voilà, merci. Allez, Katox, veux-tu une arme ultra pétée? C'est quoi? Vas-y, on voit. Non, parce que moi j'étais freeze dans un dialogue qui n'existait pas. Bah, il y avait. Moi j'étais en dialogue, en fait je mettais la pièce dans la machine. Et ça va faire une petite cinématique. Une fois votre prochain long repos, quand vos points de vie tombent à 0, vous récupérez 2, 12 points de vie, tous vos alliés à 9 mètres, 1, 6 PV. Cool. Diffuse une lumière sacrée dans un rayon de 6 mètres, en situation de combat, mort-vivant, aveuglé. Cool. Enchantement d'armes plus 3. C'est sympa ça. Ouais, bah regarde le sort aussi qui est associé à la masse. Rayon de soleil. Oui, ça, je vois pas moi. C'est une arme qui est dans le sac de Katox qui s'appelle le sang de l'Atlander. L'Atlander, pardon. C'est mon arme équipée si tu veux savoir, comme ça au moins tu. Ah, mieux. Rayon de soleil, 6. Enfin, 6 des 8 radiants. Bonjour. Et surtout, ça fait un trait genre mégalon, c'est un peu comme. Mince, le sort d'éclair là. C'est ouais. Oh, j'avoue! C'est pas mal, regarde, ça donne ça. Ouais. Non, bon. Oh, il l'a mis sur ma gueule. Voilà, ça fait des dégâts. C'est pas mal. Non, putain, alors que je recommence. Non, j'ai sauvegardé juste avant, normalement. Ah, d'accord. Sinon, je me serais pas permis. On est dans la bouboule de la reine, là. Ouais, titre. Mais oui. Putain, les gars, j'étais en train de. Tirer ma latte, là, je suis à moitié, j'ai failli m'étouffer. J'étais en train de tirer ta latte avec la boule de la reine. Ouais. Allez, allez. La boule de la reine. Retitre, allez, on est parti. dans le boule. Mais c'est un florilège. Ah, ouais. Ah, j'espère que vous appréciez ces grands instants de poésie. Ah, ouais, bah, tout le monde aime, tout le monde apprécie. Bon, par contre, je suis obligé, de remettre le gourdin, sinon je sais pas me déplacer. Après, si tu veux, je te file des popos de. Parce que là, t'as pas de. Mais je vais pas passer. Mais je vais pas passer ma vie avec. Avec tout le stuff que j'ai en bordel sur moi. Je suis pas censé avoir beaucoup de force, moi. On va aller où? Justement. Si faut les vendre, là, les gars. Il faut les vendre. Bah oui, mais tu les vends où? Bah là, déjà, peut-être. Des points de TP. Ouais, j'utiliserai ça à prochaine entre épisodes. D'ailleurs, avant de rentrer dans la bouboule, on ferait pas un long repos par hasard.
Non. On peut faire un chiant reste, on a. Ah non, t'as plus de sang toi. J'ai plus de sang. C'est pas grave, tu tapes au bâton. Ah, déjà que de la zone, tu refais un long rest. Oh non, vas-y, bah, rentre dans la bouboule. Si ça se trouve, y'a pas de combat, on a encore fait 14 long rest pour rien. Allez, projecteur d'interplanétaire, bonjour. Après, j'ai plus qu'à lui. Don't do it. Ah, voilà. Quelqu'un m'a dit. Vous voulez vraiment entrer à l'intérieur du prisme astral? Mais comment ça, refuser la quête? Bah, qui ose? Un long rest. Mais on fera pas de combat, on va encore faire un long rest pour rien. Ah, en vrai, on sait pas. Regarde. C'est déjà fait. Bon, allez. C'est si j'ai bien, il se part en courant, genre, allez, pas moi. T'as tellement l'air désabusé quand tu parles, quand tu vas le toucher, quoi, ça me fait. En vrai, ça donne envie d'y aller, hein. Allez, donc là, on va voir notre wifi, quoi, c'est ça. Oh, c'est sympa comme petite pièce dans une pièce. Elle n'est pas là, et en plus, il y a de la hauteur sous le plafond. Hein. Ah là, là par contre, t'as le cadastre qui passe, ta taxe, elle grimpe. Hein. J'aime bien le plafond. Excusez-moi, la terrasse, elle est pas déclarée, là, il va falloir la détruire. Excusez-moi, vous avez déclaré votre plan astral là? Non. Aïe. on est dans un énorme bag of holding. Vous avez vu la taille de l'anneau devant le mur? Bah moi j'ai alors regarde surtout sur ta gauche, il y a un petit truc. Oh, il y a des loot. Tu carries. On peut faire un long rest là. Mais non, on peut pas. Ah putain, on est en rouge encore, voilà. Ah, on voit l'électronique cave là. Qu'est-ce qui se passe si on clique là? Il y a encore des guides qui morts en plus. Il y a plein de stuff. Non mais. J'ai récupéré un pare-chaud. Un éclat de vivant. Tiens. Merci. Ça me fume parce que, genre, vous partez si loin alors que juste là, il y a un truc compliqué. Et quoi? Ah, il y a plein de trucs à looter. Toi qui aimes bien looter. Là, il y a marqué Péconi, il y a marqué la cave. Cave, je sais pas quoi là. Oui, mais avant de rentrer dedans. On nettoie un petit peu là, c'est sans dessus-dessous. Il y a des trucs par là. Y'a rien. Mais après, on peut quand même admirer aussi. C'est moi ou on est dans une main? On non, est dans une main. Dans un cadavre. Ah oui. On est dans une main. Ah ouais. Voilà. Ah ouais. Regardez là-bas. Regardez là-bas là. Il y a un petit gazebo. C'est incroyable. C'est joli. Vraiment. Oh, il y a un coffre. Comment on fait pour y aller? Où ça? J'ai vu un coffre. Ah oui. Bah non, let's go. Vas-y. Où ça? Regarde. Là. Ah putain, ouais. Ah mais tu peux sauter si loin? Mais oui. Là, on est sur la lune en fait. Oh, j'avais pas. Un ongle de géant. Putain, tout ça c'est grâce à moi. Eh, regarde, tu peux sauter jusque là, et paf! Oh, ah, mince! Bon, alors fais gaffe! Il y a comme des dégâts de chute apparemment. Ouais, souple sur les appuis. C'est quoi ça, on peut y aller? Putain, j'avoue, tu peux sauter tellement! Ouais, mais tu regardes, gravité astrale, il y a écrit. Ah, je crois que Arda est parti dans la cave. Ah ouais. So you came, in spite of all my warnings. Disappointing. Tell me, are you the one in charge? Bon, allez. Then come back. C'est pas toi le chef. Hey Katox, t'y vas. Comment elle vient de te dire, mais casse-toi du coup. Enfin, Katox, ah, je suis pas le cerveau de la bande, moi c'est Katox le cerveau de la bande. Quand on avait dit qu'il y avait pas de chef. Katox, il a 2 PV là. C'est des fiers de hache. Décevant. Oh. Hello. You. Oh non. Et du coup là, c'est quoi? Ah, mais c'est la wave de 14.
Ah, elle est pas fou, Paul. Voilà, bien, elle est plus jolie. Mais attends, à tous les coups, on va avoir les super nanas. Par contre, mon perso, il s'est fait défoncer la gueule. Moi, la mienne, elle a les cheveux verts. Il y en a pas un quelqu'un qui a les cheveux roses. On a les super nanas. Elle a les cheveux blancs, la mienne. Elle a les cheveux bleus. Oula, par contre, la gravité, c'est pas trop ça. Ah non. J'adore la gravité, il fait n'importe quoi. Elle s'est recoiffée entre deux plans. Ouais, faut y aller boulot sur la laque. Il y a un pot de peinture qui lui est tombé sur la tête. Ouais. I told you I stole the artifact from someone. Well, I stole it from Vlakith. Since then, she has become desperate. Vlakith wants me dead because I know her secret. It is a secret so great that if her people ever found out, that would be the end of her rule, the end of her. That cool, same vas-y. Secret is how I've been protecting you. Tu es une guide en plus, let's go. I can hear your thoughts. Une quoi? You think I'm lying. Vlakith, c'est la reine des guides, si on peut la buter en plus. Ah oui, c'est... Clairement, c'est elle est sur ma liste. Elle est sur ma shopping list. Hein. Elle nous a quand même tué trois fois. Bah c'est pour ça. I'm on your side. I have been since the very beginning. C'est vrai. Oh, je veux la même. Comment c'est trop stylé. Bon, c'est un peu petit pour faire un truc comme ça. C'est un couteau à beurre, son machin. C'est vrai que bon, ça aurait été mieux. C'est que tu la chopes et te fais salut. Tiens-moi. La 4. It seems I was right to put my faith in you after all. Thank you. Vlakith will be furious. She fears nothing more than the loss of her empire. The knowledge I have of her deception will bring that about. Vlakith is lying to the Githyanki. They believe she knows how their beloved mother Gith defeated the Mindflayer Empire. But she does not. If the Illithids would ever rise to power again, she would be incapable of stopping them. And if her people found out about her impotence, there would be mutiny, revolution, the end of her rule. Ouais, moi je signe. Let's go. Ouais, pareil. J'allais dire, let's go. That very power, the power to resist illicit control, which Vlakith only pretends to know, is how I've been protecting you. I suppose she hoped to extract it from my corpse. J'ai l'impression qu'on est en train de se faire manipuler. Since là. Since you spared me that fate. Depuis bah, en vérité, manipulé par un truc qui empêche de nous transformer en poulpe, qui bah, nous a ouais, sauvé d'une chute, qui nous a sauvé, qui a sauvé Arda de perdre 2 points d'intelligence. Pour une manipulation, ouais, il se pète bien le cul. Quoi. Par un autre, là. Ah, je pense qu'il a perdu plus que 2 d'intelligence si elle avait si elle pas intervenue. A logical question. But you're not ready for the answer. Putain, on dirait mon prof. The next attack is overdue. T'as une bonne question, c'est pas pour maintenant. C'est pas que t'es trop con, c'est que t'es prêt. On va attendre le prochain cours que tu l'oublies, ce sera parfait. J'attends de voir le fin mot de cette histoire, parce que je sens qu'il y a tromperie sur tromperie sur tromperie. Ouais, c'est une histoire d'éléphant quoi. À la fin, ça fait de la lumière. Merci Katox pour cette référence humoristique. Eh ouais. Parce qu'un éléphant ça trompe énormément. Il y a un petit cercle de lumière qui s'est ouvert sur. Waouh. Et c'est beau. Quelle belle rondelle, titre. Oh là 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 là. Une rondelle en plus astrale. Et lumineuse. Tu peux pas la rater quoi. C'est vrai que ça marche pas comme ça normalement. Genre là. Now leave before the others come for us. Quels autres? Ceux qu'on a tous tués là? Vous m'avez encore refilé des merdes. Ah non, c'est moi qui ai ramassé des merdes. J'ai rien. Bon bah on se tp. On s'est engueulé pour un truc qu'on a pas fait quoi. C'est mal me connaître ça, vraiment. Ah on peut pas voyager à partir de cet endroit. Allez hop là, on court. Est-ce qu'on doit aller rendre l'œuf à la bonne femme là? En plus on l'a fait payer d'avance. Ah mais je vais te filer mes popos de. Je vais t'enfiler quelques-unes des popos de force comme ça tu pourras prendre ça comme élixir Katox et comme ça. Ton gourdin il servira plus à rien. Titre, mais d'accord. Non il dormait
dans le jeu. Je deviens impuissant sur mon gourdin, là c'est véritable. Bon. Bon ça va, c'est bon. Faut qu'on se tépe à quel endroit? Monastère de Brosé ou colline de Trietrelta? Moi je dirais que bah... Trielta. Oui. Colline de Trielta, allez c'est parti. Qu'est-ce qu'on doit faire aux collines de Trielta? On rentre un œuf. Voilà, madame et lui donner l'œuf. Ah ouais. Il vole un œuf. Oh, c'est vole vrai qu'il y avait cette histoire. Elle va nous filer plein de thunes. Non, on l'a fait payer d'avance. Ah ouais, on va nous en donner d'autres parce que c'était très difficile et qu'on mérite bien une petite rallonge. Ouais, elle nous file encore de la thune. Ah, mine de rien, on a tué quand même des dizaines de Gishyanki pour lui ramener un œuf. Ouais, j'avoue, on a quand même une leçon d'éthique, tu sais, sur ouais, c'est pas bien de voler un œuf, hein, on a massacré. D'abord, il va falloir négocier. Après, si on avait récupéré tous les objets qui nous intéressaient chez elle. D'abord, il va falloir négocier. Avant qu'elle s'énerve et qu'on doive la buter. Ah mais c'est pour vendre. Parfait. Non je ferai ça en off parce que sinon ça va prendre 3 heures. Sinon ça va prendre 3 heures, j'ai tellement de merde dans mon inventaire. Bla 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 bla. Bon je lui donne. Pourquoi on la blesse? Hein? Bah je sais pas pourquoi on a la blesse en plus d'avoir la radiance de la lumière du matin là. Bon, je fais une petite pause en enregistrement pour pouvoir vendre toutes mes merdes, à tout de suite. Oui. Une pause. On était dans un truc, il y a un truc qui a fait du bruit, voilà, vous avez rien raté. On faisait notre long rest. Ça va être un montage dégueulasse, mais on s'en fout. Oh, ils sont fait un câlin. Encore hein, le ourson Ibook a fait un cauchemar. Et là il le bouffe. Mais non. Ah attends, j'ai... Goblins had me in a cage. Poked me with pointy sticks. Mais du hush now, it was just a nightmare. We're safe here with master. Je suis le maître. Give it a little time. En dehors des cauchemars. He's still young. I remember Gonwick would let me sleep under his cloak when I was a pup. It helps. I suppose I did. You've been good to us, to both of us. Gonwick would be happy I'm with you, I think. Like it here. Warm fire. Scratch reminds me of Big Brother. Le mange pas par contre. Ouais! Ouais! Oh, merci, allez. merci, allez, let's go, je l'avais pas celui-là. Et pour le titre. Pour le titre de succès, je dis titre. J'ai pas vu comment il s'appelle. J'ai pas lu. Demain, sinon rien. C'est dégueulasse. C'est l'heure. Oh yeah. Et bah voilà, super. Donc, bon bah Carla, je veux plus parler. Elle veut plus parler, mais tant mieux. Allez, on quitte le camp. Bon bah, allez, du camp, et puis voilà. Ah d'accord. Et dans toutes nos recherches, on a retrouvé l'écorce de sureau qui était dans un sac, dans une bourse. Donc on va pouvoir se TP au village dévasté. C'était vraiment intéressant les corps de sureau, ce que ça fait ou... J'en sais rien, c'est une quête, comme ça au moins c'est fait. Ça peut être pratique. Village dévasté. L'XP. Ok. Allez, Blighted Village, hein. Pourquoi on peut pas s'y TP? Parce que j'ai déjà lancé le TP, tu dois le valider. Bah j'ai pas le truc qui me demande. Oh, toujours le même qui fait... pour les autres joueurs. Ouais, il y en a un qui fait tout déconner. Devine qui c'est. Moi j'ai dans le camp, je voulais récupérer les armes pour pouvoir les vendre. Ouais, chargement, j'en sais rien, je propose rien. Toujours le même. C'est vrai, écoute. Quand il déclenche pas des combats, t'en fais. Ouais, mais attendez, là, franchement, vous êtes dur avec moi, j'ai rien fait là. J'étais littéralement en chargement. Ouais. Même quand tu fais rien, ça déconne. J'imagine bien, le mec, il a pas les mains sur le clavier, tu sais. Ah bah, passe.
Le jeu est même pas lancé, ça déconne à cause de lui, mais putain. Un combat. C'est ta faute. Le pauvre. Je vais arrêter de venir. Je pense que ah non, au contraire, attends. Bah non, parce que ça, tu vas arrêter de venir, plus rien va fonctionner. Ce sera de ta faute. Donc viens quand même. Il est long le chargement, je suis à 100% depuis un petit temps. Là. Bah moi aussi, je suis à 100%. Pareil. Par contre, vous savez que les elfes, les nains, les demi-elfes, les demi-orcs, les gnomes, les types nains, vous voyez dans la nuit. Genre presque tout le monde quoi. Là on se l'est pris à chaque fois. Allez, la dernière fois je savais pas où c'était mais cette fois-ci j'ai retenu. Bon j'envoie les corses de Suro à... Ah est-ce qu'on a une... Ah je vais aller regarder si dans le camp on a une... Quoi? Il nous faut une arme de base pour pouvoir faire l'arme. J'ai une n'importe aiguille quoi. De hors-la-loi au grand cœur. Non, 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 justement, c'est une arme à deux mains, et on n'a pas d'arme à deux mains. Pas basique en tout cas, non. Non, mais bah, c'est une épée à deux mains basique. Et vu que la dernière fois j'en avais acheté une, tu m'as dit que tu l'avais plus, je l'ai revendue, donc il fallait la racheter. Vas-y, t'inquiète, on t'attend. Ouais, attends, si je récupère tout ça et... Ouais, faut que j'aille au... Bosquet par contre. Bah si y'a que ça je vais encore vendre des... Merde, le bosquet est où? Il est là. Pendant ce temps là y'a un concert avec un joueur de... Tiens Arda, tu peux t'y mettre aussi, attends. Tiens, prends ça. Non, pire encore. Ça. Tiens, c'est quoi la chanson que tu fais là? C'est laquelle? Danse de barde. Et comment on fait pour en jouer? Tu dois l'équiper. C'est fait. Et normalement, prête un truc t'as récital. Attends, je me dis que l'épée. Ah oui, non. C'est douloureux. Mistre. J'arrive. Oh, attends, on fait un truc pour les viewers là. C'est attends, c'est tiens, Atemir, teste avec ça. Je sens que les gens ils vont regarder ça, ils vont se dire mais qu'est-ce qu'ils ont fumé ces pauvres gars. C'est parti. J'ai littéralement tapé une fois dessus et puis il a arrêté. Mal à la main. Pendant ce temps-là, j'ai fait de la lumière. J'ai déjà vu un groupe où ils avaient tous appris à maîtriser les instruments. Et vraiment, tout se met en cohérence quand tu fais les mêmes chansons. Et ça donne des trucs vachement stylés. Bon, est-ce qu'on leur proposerait pas une petite ellipse là, le temps que. J'arrive. Ah, t'as fini? J'essaye. Ça tombe bien. Je dis merci. Ouais, c'est bon. Je suis à l'âge. Là, les quêtes, il y en a de moins en moins, hein. C'est bien. Oui, alors, ça c'est reculé pour mieux sauter, t'inquiète pas. Ouais, non, mais, alors, certes. Mais au moins, tu vois, il y en a plus tant que ça, quoi. Alors, il faut que je mette quoi déjà? Une corse, je crois. Avec les... Ah. Ouais. Là c'est quoi la suite après? Faut qu'on aille prendre l'ascenseur dans l'Underdark, c'est ça? Non, on dort. Explorer dans la zone. Ouais, ça, et encore le truc avec les grands. Une faucille, oh, c'est terrible la faucille. Tu veux bah la faucille, si jamais tu. Faut récupérer une, on en a pas des faucilles. Non, mais balance l'épée à deux mains, sinon tu ramèneras jamais ça. Voilà, on a l'arme. Ah bah j'ai. J'ai une cinématique si je veux. Oh, en plus, c'est l'oracle qui fait de la forge. Après, on passera pour la forge. J'ai juste jeté une épée dans du feu. Ouais, Narsil, la flamme de l'Ouest.
Voilà, reforger. 40 XP, c'était pas perdu. Voilà. C'est comme si on avait tué un kobold. C'est moins qu'un kobold. Déjà à la moitié du niveau. Elle est pas genre méga nulle. Bah non, parce que justement contre des casters, Ah, silence target on it, j'avais pas vu. Dès que je lui mets un coup d'épée dans la tronche, il est silence. Parfait. Donc, on peut re-TP sur les collines de Trielta. Exactement. Alors, allez. Des allers-retours. Putain, on fait des. Ah, les voyages forment la jeunesse. Ah, voilà. À travers les plaines. Quand on a. Quand on n'a pas la tête, oh, on a le vol. Ce petit chemin qui sent la noisette. Ce serait du plus marrant, laisse passer nos charmants compagnons. La 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 la. La la la. La la la. Échec critique. Allez. Une double Mortensen. Ah. Il s'est pris une double Mortensen. Alors, 8000 pièces d'or. Ah, j'ai cru voir un Jean à tuer là-bas. Ah. Vas-y, j'ai équipé mon sang de l'attendre, on va voir. Faut que tu lances 8. Je retire Speak with Dead. Par contre, je suis déçu, j'ai plus, mais il n'y a plus assez de cadavres pour faire de squelettes. Paf. Oh, t'inquiète, on va aller tuer des gens. Et faut boire un élixir aussi. Oui, moi j'ai rebu mon élixir. Et elle est où la personne à parler? Elle est en haut du chemin. C'est pas à parler, c'est à taper. Ouais. Oh, ça, il a l'air vénère. Ouais, 42 plus 20. Ah, non, et puis ils sont 5 hein. Cool. Oh, ça va, c'est des morts vivants. Est-ce que je peux les prendre de hauteur? Je pense que oui. Ah, oui, moyen. Moi, je peux pas sauter, non. Non, on peut pas. Non. Le décor m'a trompé. C'est bon, pas vu. Je vais garder là. Non. Qui passe devant? Toi. Bah je pense que c'est toi. Pour une fois que c'est pas moi qui lance un combat, ça fait plaisir. Bon bah écoutez, avant. Par contre on est vraiment à chaque fois dans le turn order, c'est pas foufou hein. Attends, moi je fais le tour parce que les moines devaient contourner. Ah bah dépêche-toi parce que là on a la sulfateuse qui va bientôt se mettre en branle. Ouais bah... Ah, sur toutes les coups, elles ont plus de PV donc ça va aller. C'est quoi le blême là? Quel blême? Alors, ouais, je crois que c'est dans l'endroit le plus sécur du monde. Bon bah allez. Hein. T'as des mines répulsives. Ouais. J'ai mis. Ouais, vas-y. Moi je vais leur mettre un. Ah non, il y en a. Attends. Bon, toi, t'es mort. Voilà, ça c'est fait. Ah, c'est bien, il joue à un autre. Ce sort est si drôle. Oh là là. Bon, et puis est-ce qu'on arrive à taper les trois d'un coup? Alors, il y a une aura de protection sur les la mort. Les morts vivants alliés dans moins de 9 mètres bénéficient d'une résistance aux dégâts contondants, tranchants et perforants. Ah, ouais, c'est ça, bah faut les buter quoi. Et les bergers de la mort sont résistants aux dégâts tranchants, perforants, résistance à l'acide, au tonnerre, aux dégâts nécrotiques, au feu, à la foudre, au froid. Vas-y, fais en sorte que. Et ils sont immunisés contre le poison. Fais en sorte que le. Il arrive quand le blême là? Parce que c'est le seul qui est encore vu par ici. Ils sont bien paqués pour toi là. Ouais, je me suis mis sur le côté, tu remarqueras. Il y a moyen de faire quelque chose là. Dans votre turn order, il y arrive quand le blême? Parce que là, je peux faire vraiment un petit rayon pour tenter de le défoncer. C'est le blême. C'est celui qui est dans le fond. Je pense qu'il est tout en haut. Pas tout de suite. Ah merde, il y a le berger de la mort qui regarde vers moi. T'es un peu au milieu là, j'ai envie de te dire. C'est pas grave, au pire, il meurt. Non, tu as moyen de m'esquiver là. Moi, j'attends que tu aies balancé ton sort pour m'avancer. Je me suis mis sur un côté déjà, je suis pas resté au milieu du chemin. Parce que déjà, je viens d'être mort. Je sens venir la fireball, non? Mais oui, bien sûr. Oh, je pourrais leur mettre. Là, il faut. Ou la tempête de grêle, comme ça ils peuvent se casser la gueule après. Ouais, vas-y. Moi, tu fais bien ce que tu veux, hein, tu fais le dommage. C'est ça. La tempête de grêle, elle fait pas de dégâts, je crois. Ah non, si. Je vais plus la casser. Et. C'est 640 ça veut la tempête de grêle ce matin. Ouais, non, mais j'ai confondu avec la tempête de déchirement.
Cool, cool, cool. Ça, c'est parfait. Escompté. Ouais, mais ça a eu l'effet parfait pour moi. Est-ce que. Ouais, mais ça a pas pu aller jusque-là sans qu'on te voit. Mais vas-y, mais quelle absurdité, quoi. Attends, regarde-moi ça. Oh, ça. Tu m'as touché. Comment ça se tue? Tu viens littéralement de me toucher, quoi. C'est pas grave. T'en as vu d'autres. Je t'ai projeté une égide arcane. Ça. Regarde, j'ai buté tout le reste. J'ai pas vraiment compris comment mon sort a fonctionné parce que normalement je, dans le cercle j'ai touché plus de gens que ce que j'ai touché là et là ça a fait n'importe quoi. J'ai pas du tout pris au bon endroit à tous les coups. Ah en plus il est aveuglé trop bien. C'est encore arrivé. Mais pourquoi j'ai pas pu jouer d'ailleurs? Mais attends c'est bon, t'as déjà balancé 40 coups dans le. Calme-toi, ça va bien se passer. On a pas fini le tour. Ah, c'est parce que juste ça l'a surpris. Il les a surpris qu'à toi, c'est pour ça. Ah, mais attends, mais avec ta masse là, tu l'as pas aveuglé le mec à côté de toi? Il est aveuglé. Mon voisin. Attends, c'est moi ou il vient d'invoquer un mob là? Ouais, ouais. Ah oui. Plus d'XP. Bah non, il est pas invoqué ça. Coup critique, wow, 4. Waouh. Wow. Ouais, mais. Mais c'est super! Prends la popo de force, je vais te filer des popos de force, comme ça tu prendras l'élixir et tu pourras j'hésite mettre des grosses scandales. J'hésite à prendre une potion de choc. J'aime bien qu'Atox il tourne vers nous, les mecs, j'ai essayé. Waouh. Bon, lui. Ça dégage. Il est mort. Oui, je te l'avais attendu arriver pour toi. Ah, je peux jouer aussi. Attends, ah, oui, parce que du coup, t'as, dans le turn order, vous l'avez suivi quoi. Ah non, attends, si tu faisais la boule, t'aurais pu encore. Non, c'est que une fois par tour, non? Ah, bah je sais pas. J'ai mis un petit. Bon, allez. Un petit froid glacial là sur le berger de la mort là, ça devrait lui mettre un statut négatif. Voilà, il est affecté par froid glacial, incapable de récupérer des PV, il a un désavantage sur ses jets d'attaque. J'ai pas la bonne paire de bottes, donc je vais faire ça. Là. Par contre, la lumière de la tente, c'est une fois tous les longs repos. Faut pas déconner quoi. Oui, bah après, tu l'as utilisé, mais c'est 10 tours qu'il y avait écrit. De quoi? T'avais pas le spell tout à droite que tu pouvais relancer? Je le vois pas, non. C'est vrai que j'ai 10 tours, mais c'est 10 tours de aveugle. Ah! Ouais, t'as plus ma place. Oh, d'accord. C'était pas mal. Oui. Je vais taper. Ah oui, mais t'inquiète pas, c'est normal, hein, c'est ta classe, on peut mettre 40 coups en un tour. Heureusement qu'il est aveugle, hein, il t'a quand même mis un beaucoup de griffes dans la tronche. Hein. Ouais. Hein. C'est fait. Il s'est fait vraiment bolosser, mais. Vous avez pas grand chose d'intéressant sur eux, ces monstres. Hein. Alors moi j'ai une lettre, tiens, je t'envoie la missive. Radar, paf. Je vais aller lire ça tout de suite. Oh, un message de Kesrick Storm. Le duc garde corbeau doit m'être livré immédiatement, de préférence à un dème dans la mesure du possible. Le tour de haute lune ne pourront pas accomplir leur destinée tant qu'il ne nous aura pas été remis. Ces ravisseurs seront récompensés. Eh, il y a de l'eau bénite. Valeur d'échouer, bravo. Pour le prêtre. D'abord ma colère, puis celle de Gortash, après quoi je me charge là personnellement de les achever. Il est pas jojo le gars quand même. Ouais. On doit aller par où? Il y a des flèches. Bah par là où elle est mutée, j'ai l'impression que c'est plutôt tranquille. Bah il y a un gouffre quoi. Bah j'ai récupéré les flèches mais je sais pas si Après est-ce qu'on peut sauter au-dessus du gouffre? Non. Non il y a... Alors je peux pas techniquement. Je peux mais attends, faut que je te file aussi la popo de force parce que sinon tu vas toujours faire des sauts d'asthmatique. Ouais, mais de toute façon, par là, on peut pas passer. Non, on peut pas y aller là-bas. Là. C'est pas possible, même ta caméra poursuit pas. Si, alors tu peux pas aller jusqu'au bout par contre, donc ça sert à pas grand chose. Tiens, Katox, je t'envoie des élixirs de force. Prends-en, vu que t'as pas d'élixir, autant que t'en prends ça. Non, mais sur la carte, y'a aucun endroit où aller en fait. Alors là, y'a. Ouais, y'a un escalier. Oui, non, mais on est obligé d'aller par là ou pas, est-ce que ça veut dire? C'est ça la suite. Survie ratée. Ah toi aussi t'as une pelle. Ah bah ouais, évidemment. J'ai une kiki potion de soin. Oh. Ça...
je crois qu'on a trouvé Glandoulf le vieux. C'est vrai. Hey, toi, je t'envoie une petite popo de santé. C'est les masses. Ah ouais, voyageur fatigué, tu veux que j'aille lui parler? Ah, trop tard. Mon premier sera la mer. Bonsoir. Restez dans le monde. Perdez des cartes. C'est des cartes Kane. A man who adheres to the given name of Gale. Ah mais c'est notre pote. Tu sais, le gars qui arrête pas de bouffer notre équipement là. Il se repose à mon campement. Alors là sur l'image il est juste dans mon dos. Hey, ça se fout. Qu'est-ce qu'il branle là? What the fuck. Ever a man of leisure. Would it pain you greatly to assist me along the little voyage I intend to undertake to this aforementioned camp? Should it be Allez. The nature of our acquaintance that interests you? Well, you may safely classify Gale and I as friends. Should it be the nature of your present interlocutor that you desire to drag from the dark and unknown? I shall be glad to aid in your quest for illumination and identify myself as Elminster. Elminster Omar. Now, if this answer Omar, Obelix. Let us linger no longer in this. Ah, normalement, tu es censé le connaître. And I would confirm it to be so. Please. After you. Bon, bah, c'était pas prévu. Ah non, on va pas se taper encore un long repos, hein. Alors, t'es où, non, non, c'est pas un long repos, on va juste papoter avec le magicien. Bah, tout ça quand même. Paf, on va au camp. Pour une fois, je m'en occupe si ça vous embête pas. Allez, c'est un truc dommage. Au camp, hein, si vous voulez assister à la scène. Ah bah on peut directement cliquer dessus. Ah tu... Ah ouais, t'es pas obligé de te TP, hein. Parce que je serai la petite oreille. Very same, Gale. And a fair bit miffed he is, too. Finding himself forced to expose his best pair of boots to so many miles of country road on your behalf. I don't understand. How so on my behalf? I was bid to spare neither time nor my own self to find you. She sent me, Gale. You know of whom I speak. But why? Out with it, Elminster. Please. Young man, has your sojourn away from Waterdeep washed away your decorum as well as your patience? Nigh a 10 days I've gone without honest fare, worthy of the name, drank naught but what the sky entitled my thirst. Why, some bread, cheese, and a cup of wine would appear unto me a feast. Surely you won't begrudge me a mite of rest and repast before I get out with it. Pas dans tout le merdier qu'on a, qu'il y a moyen de trouver peut-être une pomme et un crouton de pain. Alas, such luxuries require the beneficence of time. And time, as I'm sure our friend here will attest, is the very luxury of which we're all too bereft. Oh, for the love of... Fine, fine. I'll turn a deaf ear to the clarion calls with which my scorned stomach beseeches me. Graver matters are at hand. Plenty to digest. Après, hein. After all, a good deal to stew over, if you will. Words ladled with import should be savored so as to better absorb their meaning. Wouldn't you agree? Elminster. On va 100% faire un reste, right. Je suis sûr. You see, I that is to say, Gale, my boy, I've come to address a most pressing matter. I'll speak as plainly as I can, forswearing the accustomed frills that decorate my speech. Comment il tourne autour du pot. I'm here on behalf of Mistra. The message and the charge I bring you are hers. Tu
You know where you went wrong, Gale. No, we needn't dwell on that here and now. But even so, you're to be given a chance of redemption. Mistra would consider forgiveness. She would consider what she considers to be forgiveness. Mistra is aware of the misadventures that have befallen you both. She knows of your strife with the Absolute, that most insidious of evils. They choose the instruments of their will with great precision. Sometimes the single drops we think we are do not realize what waves we are building up to be. Do not discount yourself, and by the same token, do not discount your enemy. You must know that the Absolute is more dangerous than you can possibly conceive. It threatens all who live, even those who are undying. It threatens the gods, the weave, the very fabric of the universe itself. That is why I have come here to charge you, Gale, with its destruction. It is Mistress' belief that only you can. C'est que... Quelle arrogance! Putain, mais papy Mongeau là, c'est bon! Precisely. Mistra has granted me the power to stop the clock, as it were, on the orb's rush to overpower you. Instead, you will be able to unleash its lethal combustion at will. Interesting. This could be help or hindrance. We shall have to see. You must find the heart of the Absolute, whatever that may be, and use yourself as the catalyst that will burn it from this world. On sera débarrassé de l'Absolu et de Gale d'un seul coup. Trop cool. C'est génial. Glad it's not just me. It brings me no pleasure saying this, my friend. But such is Mistra's will. Yours must be the sacrifice that will undo the Absolute. And for your sacrifice, you will be redeemed. Such is ça, en vrai, ça sent le la modification de la mort. Sorry peace. And need only bestow unto thee the charm I was bid. Maena hastra mistrarium Italion thras annas. Eh ben, c'est pas trop tôt. Attends, il a insulté qui de qui là? Both charge and charm have been committed into your care. To you, I commit into care Gale himself. And I count on you to shepherd him well on this strangest of journeys. On te donne la bombe de brouille, toi. Est-ce qu'il va rester au camp? Pas de problème. On my honor. I'm not sure yet I can pourquoi say c'est Gale qui parle. Like moons make swell and wind, so too the sky's chosen gods ordain the tidal fates of mortal days. And yet, a notion born in lonely hours, calm ebb, calm flow. Ce qui est marrant, c'est que ça a plus beaucoup devant lui, mais ça, papa, ça passe. Ah, ouais, c'est ça. C'est vrai que t'es en mode, mais genre, mais c'est bon là. J'aime m'endresser, je sens parfois la marée.
Oui, c'était celle-là que je parlais de... Qui suis-je? Je le fais parfois mal. J'ai très envie d'aller au camp juste pour taper le vieux. Là, parce que c'est trop long. Ouais, alors, c'est trop long, titre. Ouais. Parfait. Alors, on pourrait parler à Gail. Est-ce qu'on finit ça et. Non, Non, mais on peut parler à Gail. Ça fait 50 minutes à peu près. Ah, t'as le timer en tête. Audience with Elminster. Il est dans la soirée. Ça fait après, tu vois. Pas mal. Les deux oiseaux, ils ont un timer. Ils doivent savoir mieux que moi. The doddering act is merely an illusion. One he's most adept at maintaining. Elminster is the most formidable wizard in the realms. Perhaps. In existence. For Mistra to have sent him, the severity of her bidding could not be clearer, or weigh more heavily on me. Time seems so infinite when you're young. A month is an age. A year is a lifetime. It is a strange feeling to realize how little of it one might have left. Of course, kind of you to stop by. Allez, j'ai abrégé le truc, pas le temps de niaiser. Et du coup, on peut s'arrêter là. Et on vous fait des bisous. À tous. À bientôt. À plus. Ciao.